Bonjour à tous les amis, c'est Choublou. On part encore une fois pour une seconde vidéo unboxing. J'ai reçu ma Woodbox. Oui, mes amis, je dis bien, j'ai reçu ma Woodbox. Donc, nous allons explorer et ouvrir ce colis. Et nous allons bien sûr découvrir qu'est-ce qu'ils nous ont réservé le service Woodbox. Parce que ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas reçu de colis. Le voilà enfin, il est arrivé. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de ce colis. Woodbox, c'est parti! Place à l'intro. C'est parti, nous allons procéder à l'ouverture de cette Woodbox. Plus de 2 mois que j'attends. J'espère que cette Woodbox elle est à la hauteur. Honnêtement, c'est pas de mon ressort. Mais ce que j'admire, le service Woodbox m'a envoyé des mails pour m'expliquer ce désagrément d'attente. Et ça, j'apprécie beaucoup de ce service client qui a su quand même envoyer des mails pour nous dire ne vous inquiétez pas, ils ont des soucis, ça arrive à tout le monde, les soucis, mais il faut savoir les gérer. Voilà, je viens de procéder à l'ouverture de cette Woodbox. Nous allons, comme d'habitude, tourner le colis pour que vous puissiez vérifier le contenu devant vous. Moi, je ne sais pas ce qu'il a, je viens de l'ouvrir devant vous. C'est parti. J'espère que je vais réussir, hein, à force d'ouvrir des... Ah oui, il y a encore du scotch. Mais on apprend, franchement, ça va faire ma troisième ou quatrième Woodbox avec Zavavi et Woodbox. C'est deux services différents, chacun a un style et chacun a des produits différents. Mais voilà, moi j'aime bien. Allez, c'est parti. Il faut pas... Voilà. Sans le ciseau. Voilà, maintenant je comprends le système des colis. Alors là, nous avons... Hein, j'espère que vous avez un bon visionnage. Vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'améliore et j'essaye d'ajuster au mieux mes caméras pour que vous puissiez aussi en profiter et que ça ne vous gêne pas. Voilà mes amis, avril. Donc c'est la Woodbox du mois d'avril. Nous sommes dans un Versus. Apparemment c'est le journal, hein, l'actualité. Du jour ou du mois d'avril. Donc le journal, on a dit, il est toujours bien réalisé, bien présenté. Donc on a tout devant. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a ce mois-ci dans votre box, on a la Pop Marvel Infinity Wear exclusif à 20€. Ensuite, vous avez le t-shirt Warcraft officiel de 20€. Waouh! On a une mug Pokémon 10€ et un porte-clés. Une push man à 8€ et pins versus à 4€. Voilà ce que contient la Woodbox du mois d'avril. C'est devant vous dans leur petit journal, hein, de l'actualité du mois d'avril, bien sûr. Allez, on va passer maintenant, on va regarder des objets. Franchement, on va commencer par celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est le One Push Man. On va procéder à l'ouverture. Voilà. Attends, j'arrive pas. Hein. On va essayer comme ça. Voilà, j'y arrive, hein. J'y arrive. Voilà. Je vais pas utiliser mes dents ou le ciseau. On va utiliser. Voilà, on va ouvrir le colis. C'est génial. C'est génial, franchement. Moi, je suis content parce que voilà, les contenus, ils sont fun. Ils sont fun. Voilà le portugais. Pardon. Respect aux portugais. J'ai des amis portugais. Pardon, c'est venu tout seul. Voilà. Mais un coucou à eux et je les salue. Le porte-clés qu'on a bien dit le nom, c'est One Push Man. Le porte-clés One Push Man qui est devant vous. Voilà, c'est agréable. Voilà, c'est un porte-clés pour les enfants. C'est fun, c'est joli. Moi, j'aime bien. Allez, on va passer à l'autre article. Nous avons ici, ouh, ça c'est super. Et franchement, les tasses à café, moi j'adore parce que je fais un petit rappel que j'ai la tasse à café de Black Ops 4, de Call of Duty Black Ops 4. Moi j'aime bien, hein, ça décore votre setup. Et quand vous voulez boire un thé et un café, ben voilà, vous avez des tasses. Franchement, ça coûte 14€ à Carrefour, ces tasses-là, ou à Micromania. Vraiment, ils sont chers. Donc, je procède toujours à l'ouverture. Et nous avons notre tasse à café Pokémon qui est là.
devant vous. Franchement, admirez. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est une belle tasse. Hein. Voilà, vous pouvez boire votre café. Le maintien est bien. La qualité, franchement, on n'a pas à dire que c'est de la dope ou quoi que ce soit. C'est les mêmes tasses à café qui se vendent à Carrefour dans tous les centres commerciaux que vous connaissez. Même Micromania, voilà, c'est une belle tasse. Après, on aime Pokémon ou on n'aime pas, c'est un choix, voilà. Moi, j'aime bien. Donc, la tasse à café, on va la staller à côté de l'autre. Voilà, on continue. On a un petit pins. Un pins, voilà, Fish Club de Woodbox. Il est là, le pins, vous l'avez vu. C'est fun. On va l'ouvrir aussi hein, pour voilà, profiter de toute l'ouverture. On a dit on ouvre tout. Voilà. C'est devant vous. Je ne sais pas ce qui contenait le contenu. Donc, je l'ouvre devant vous. Voilà le petit pins One Club de Woodbox. Il est beau. Hein, de couleur rose hein, pour les filles. Voilà. C'est sympa. Hein, c'est joli. C'est des petits trucs qu'on peut décorer. Allez, on continue. L'ouverture du colis. Allez, c'est parti. Et là, on a Iron Man, mes amis. Iron Man de Avengers, voilà, de Marvel. Moi, j'aime bien Iron Man. Et j'espère aller voir la semaine prochaine. Il y a la sortie de Avengers, je pense. Et il faut aller le voir. Franchement, il dure 3h10 à peu près. C'est annoncé plus de 3 heures de cinéma. Je pense que c'est le bouquet final. Donc, ça vaut le coup. D'aller le voir, donc j'irai voir ce film. J'en fais pas de la pub, mais j'aime bien les films Marvel par leurs effets spéciaux et tout ça. Voilà, on aime bien, ça nous fait rappeler les BD de notre jeunesse. Voilà mes amis, Iron Man qui est devant vous. Iron Man, il est beau, hein, il est super. J'espère qu'il va tenir hein, sur ses pattes parce que l'autre pop de la dernière fois, du coup, elle avait du mal à tenir sur ses pattes. Parce que sa tête était lourde. Voilà Iron Man. Et c'est celle-là, la dernière fois, hein, la pop qu'on avait pris. Eh ben, elle avait du mal à tenir. Je pense qu'ils ont rajouté trop de poids sur sa tête. Et honnêtement, regardez, on ne peut pas. Elle ne tient pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une tête qui est trop lourde, honnêtement. Donc, c'est dommage pour cette petite pop. Mais Iron Man, lui, il est costaud. Vous le voyez devant vous. Pardon. Allez, on continue. Pour cette Woodbox de mois d'avril que moi j'aime bien, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de me soutenir en vous abonnant et de laisser un pouce bleu pour m'encourager à vous proposer d'autres vidéos de qualité, que ce soit gaming ou tennis, du moment que c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous. Voilà mes amis, nous avons World Warcraft, un t-shirt World Warcraft de Blizzard. Je sais qu'il y en a une qui va être contente, bah, c'est ma fille, parce qu'elle aime bien World Warcraft, elle y joue, elle aime bien. Et moi, j'aime bien aussi Blizzard. J'aimerais bien qu'ils ressortent Diablo. Hein, c'est Diablo, on a décroché depuis le dernier. On y a joué au premier Diablo, et on avait accroché pendant 10 ans. Et du coup, quand ils ont fait le deuxième, on a joué pendant un an et après on a décroché. Pourquoi ? Peut-être qu'on s'y retrouve plus par rapport au premier. Voilà. Donc voici le t-shirt de World Warcraft de Blizzard. Il est beau. Franchement, on a l'image qui est devant vous, hein, la photo qui est réalisée sur le t-shirt. Elle est pas mal. Voilà, j'espère que le t-shirt aussi vous plaît. Je ferai de mon mieux à l'occasion aussi dans la prochaine vidéo de le mettre. Et comme ça, vous verrez si ça va pas ou quand je serai en direct. Pour le moment, je ne peux pas vous proposer des streamings ou des lives en direct. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de ma connexion de Orange. J'ai pas assez de débit ascendant pour permettre de vous faire du gaming, même vous proposer l'émission. Je présente, j'analyse vos chaînes. Voilà pour ce qui est de la Woodbox. Je vous dis à bientôt. J'espère que la Woodbox du mois d'avril vous a plu. Ça fait plus de 2 mois qu'on l'attendait avec One Punch Man, Iron Man et bien sûr le t-shirt de World Warcraft de la marque Blizzard que j'aime bien. À l'occasion, j'essaierai de mettre le t-shirt dans les prochains gaming que je vous propose et j'espère qu'il vous plaira. Voilà mes amis pour cette Woodbox du mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à vous dire oui avant. Si tu as aimé, n'oublie pas pour me soutenir de t'abonner à ma chaîne et de laisser un pouce bleu et un commentaire
pour m'encourager à te proposer d'autres contenus avec Iron Man. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao !